Salut à tous, c'est Italic et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone pour aller affronter Maixna. Je vais vous montrer le deck que j'ai utilisé pour la battre en fait. Donc je vais vous montrer la decklist. Voilà, deck Maixna. Donc alors, deux javelots de glace qui en fait ne servent pas vraiment à infliger 4 points de dégâts, c'est plus pour bloquer en fait, quoi, plus que pour infliger les dégâts. L'archer elfe, qui on va essayer de l'avoir au début, ce serait bien pour nettoyer les petites 1-2 et essayer de faire popper que des 1-1 pour remplir la table de Maixna de petites cartes. Le docteur Vaudou pour soigner, l'éclair de givre pour bloquer et tuer les saloperies. Une charge guerrier branchi, enfin deux charges guerrier branchi, le mage de Santalnos, deux barrières de glace, deux blocs de glace, deux Nova de givre pour bloquer un petit peu la table pour ressouffler un petit peu. Deux chevaucheurs de loup, deux prophètes pour soigner, deux boules de feu, deux cônes de froid qui vient marcher avec le mage de Santalnos pour essayer toujours pareil de nettoyer les petites 1-2 et tout ce qu'a 2 points de vie pour faire popper les autres cartes en général des petites 1-1. Leeroy bien sûr, une prêtresse des lunes, Alexstrasza, deux pyro. Donc la technique du deck, comme je vous disais, ça va être de faire popper en début de partie, de remplir la table de Maixna de petites cartes, des petites 1-1 qui vont popper là. Et ensuite, de se soigner, de charger en, principalement Maixna, on ne va pas s'occuper de ces cartes, de ces petites tokens. De se soigner, de charger, Alexstrasza qui fait bien le boulot normalement, qui fait descendre Maixna, et en plus, vu qu'elle va vous la renvoyer dans la main, vous pouvez vous soigner avec, les pyros, les boules de feu, enfin, tout le bazar quoi. Donc allez, go, on va aller l'affronter tout de suite. Hop. C'est bon, elle est bien choisie. Ah tiens. Ah, petit bug de... Un beau petit bug même, pour le nom de deck. Enfin, allez go. J'ai galéré un petit moment en fait à trouver la solution pour la battre. Je sais pas, j'ai dû faire une dizaine de tries avec d'autres decks. Mais avec ce deck là, je l'ai eu au deuxième ou au troisième coup il me semble. Donc on va garder l'archer elfe, on va garder la charge, le cône de froid c'est un peu late. A savoir que contre Maixna c'est tout le temps elle qui commence, hein. C'est tout le temps elle qui... Enfin c'est tout le temps vous qui commencez, c'est tout le temps elle qui a la pièce. Moi c'est pas vilain. C'est pas vilain. Un tir, un mort. Hop. Elle nous en joue une. Je vais aller attaquer une autre. Hop. Voilà. Ce serait top qu'elle m'en rejoue encore une. Ce serait nickel. Comme ça, direct, je remplis sa table. Voilà, bah c'est parfait. Et ben on va faire un tir, hop, un mort, hop. Bon, ça c'est un petit peu plus emmerdant mais bon. Donc là je prends déjà cher hein. Ah, j'ai Alexstrasza, c'est pas mal. J'ai 4 points de dégâts. Elle a donc 8. Je vais mettre... Si je mets mon bloc de glace... Je vais mettre mon bloc de glace, une archer elf pour aller attaquer une première araignée. Comme ça, dès que je peux tuer la 3-3 là-bas et refaire popper pour lui remplir que 2.
tour prochain j'aurai 5. Je pourrais faire 3, 4 et faire popper. Voilà. Et elle n'aura plus que des 1. Elle ne pourra plus rien jouer. Donc. On va tuer celui-là. Popper. Voilà, donc là on est bien, maintenant faut absolument plus toucher à ces monstres. Tour prochain j'ai 6, je vais pouvoir mettre... je vais pouvoir mettre me soigner, déjà, premièrement. Et alors elle me met 7 points de dégâts, donc ouais, je vais mettre un bloc de glace tout de suite. Une petite Nova de givre, ce serait pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me soigner. Mes yeux sont grands ouverts. Je vais lui envoyer une boule de feu déjà. Voilà, déjà ça c'est fait. Ok. J'ai un deuxième bloc de glace, ça c'est pas mal. 3, 6. Une petite Nova, ce serait bien là. Ah, toujours pas. Hein. Toujours pas. Donc je vais pouvoir 1, 2, 3. Elle a 7 points de dégâts. Je vais me remonter à 15. Elle peut pas me tuer ce tour là, donc je peux lui aller extraser. Là, boum. Je vais me re-aller extraser au prochain tour. Elle veut pas. Hein. Elle ne veut pas venir. Donc je vais peut-être plutôt faire des dégâts. Je vais mettre un bloc de glace, ça va me libérer de la place comme ça en plus. Prêt à partir. Garde mon acier. Voilà. Et bah c'est fini. Voilà, vous voyez. La technique marche plutôt bien. Il faut vraiment les bonnes cartes en main, mais la technique marche super bien. J'ai pas eu mes Novagives, mais c'était pas vraiment utile. La technique, c'est vraiment qu'elle puisse pas attaquer et poser ses géants ou ses saloperies. Et voilà, lui remplir sa table de 1-1 et tenir le coup le plus longtemps possible à l'extrasa. Et puis bah voilà, terminée, elle est morte quoi. Donc elle est pas si dure que ça à battre. Donc voilà, bah, je suis bien content. En plus, je l'ai eu du premier coup.
J'espère que cette petite vidéo vous aidera bien. N'hésitez pas à commenter, hein. Je lis tous les commentaires. Ce sera en plus techniquement la première vidéo postée sur ma chaîne, bien que ce ne soit pas la première que j'ai enregistrée, puisque la première est sur Minecraft et qu'elle est dans mon ordi, mais que je ne l'ai pas publiée encore. Je publierai celle-là en premier. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous ferai d'autres petites vidéos Hearthstone régulièrement. Allez, à ciao !